Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine encore dans une émission qui s'appelle l'artiste de la semaine. Et cette semaine, on reçoit quelqu'un qui nous vient de l'est de l'île de la Réunion. Nous autres, je connais Ali parce que dernièrement, son clip est passé en clip de la semaine sur Canal Austral. Il est avec nous, il y appelle Gilles Klein. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ouais, les... ça va? Ben, ça va. On retourne un petit peu aux sources par ici. Bon, ah bon? Parce que oui, m'a dit qu'on est dans l'est de l'île de la Réunion, mais voilà. On habite pas ici dans l'est. Avant ça, quand on était plus jeune, oui. Première partie sur la montagne. Ah, d'accord. Voilà, montagne là-bas alors. Hein? Voilà. Mais bon, après, nous n'est pas si loin que ça aussi. Mais on n'aurait pas imaginé qu'un jour, on aurait retourné par ici. Bah, ouais, ouais. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'ici, Bassin-Labo, nous n'est pas très loin de Commune-en-Go, qui est juste à côté, le village d'à côté. Voilà. Et Commune-en-Go, c'est le titre d'autres chansons, d'autres morceaux, voilà, qui étaient voilà. En clip de la semaine dernièrement, et c'est pour lequel on est l'artiste de cette semaine. Hein. Comme ça l'arrive à où pour écrire un morceau sur le village de juste à côté là, okay, alors ben, que où habite la montagne là-haut. Okay, ben, en fin de compte, là, où l'histoire y suit, va ou pas, tout ça. Et donc, à un moment donné, on retourne un petit peu à la source, parce que ça, c'était tellement important pour nous quand nous étions marmailles. Ben, nous, papa t'amène à nous la source, d'ailleurs. Mm-hmm. Ben, mi chante ça, mais en fait, c'est un retour aux sources, et puis pouvoir partager avec mon domaine aussi, ben, les gars, en fait. Ouais, ouais. Et Commune-en-Go, c'est un endroit que vous connaissez. Nous parle de Commune-en-Go, parce que le titre de la chanson s'appelle Commune-en-Go, hein, ben, pour les gens qui regardent à nous. Qui, voilà. Qui écoute à nous, que peut-être n'a pas bien compris le sens de la phrase Commune-en-Go, voilà, c'est le village d'à côté. Mais voilà. Où écrit Commune-en-Go avec un car hein. Voilà, en fait, on avait écrit avec un car, mais après, ben, de toute façon, on nous retrouve à nous, quelle que soit la manière, nous ça écrit, ouais. Ben, nous comprend, ben, que ça nous veut transmettre en fait. Donc, voilà. Et avec ce morceau-là qui est un petit ségab, une petite balade, vous voilà, ça un petit romance maloya, c'est ça. Romance maloya. Bon, on ne fait pas trop la distinction, en fait, mais l'affaire. En fait, ça y vient naturellement, hein. Ouais. À l'inspiration, en fait, mais après, tout d'un coup, le morceau, il arrive. On dit, c'est un morceau, il date. Là, il date ce morceau-là, là. Il y a longtemps. Et puis, bon, on n'avait pas trop l'occasion. Voilà, mais là, on a pu sortir un CD, puis faire partage ça aussi. Voilà, on n'a pas eu l'occasion de prendre le CD, là, pour présenter un petit peu le CD, mais le CD, voilà. Il peut retrouver un petit peu partout. Le CD appelle Commune-en-Go. Ben, en fait, le CD Commune-en-Go, pour l'instant, on n'a pas la grosse distribution. C'est moi, voilà, mis distribué. C'est eux qui distribuent directement ça, le CD. Après, nous avoir. Ah. Après, voilà, ouais. Et c'est un CD de combien de titres, ça? Ben, à 6 titres dessus, Commune-en-Go. Mais essentiellement du Sega Maloya, comme ben, ça. C'est-à-dire, moi, mon inspiration était plus dans le groove Maloya. Le rythme là, c'était, voilà, depuis longtemps, ça allait en nous. Et donc, ben, aujourd'hui, on essaye de comprendre ben, pourquoi nous chantons ça, ben, parce que notre histoire l'amène à nous vers ça. Ouais. Et donc, moi, ça y fait un peu le lien entre ben, au présent, ça qu'on vive aussi, ben, au passé, de toute manière, on vit ça aussi tous les jours, ben, ça l'entraîne à faire haut. Donc, il faut qu'à un moment donné, on arrive à dire ben, vraiment ben, que ça ressent, comment on voit les choses. Et après, ben, nous, ça va, nous avançons ensemble, en fait. Donc, voilà. Des morceaux comme ça, là, nous, on a bien entendu Commune-en-Go, là, mais on a d'autres morceaux aussi que nous allons faire en live tout à l'heure, hein, dans cette émission-là. Et voilà. Tout de suite, nous allons commencer par ce morceau-là, Commune-en-Go. Mais là, nous, on a une petite surprise parce que nous, on a des artistes qui sont passés cet après-midi, là, avec nous, là, Bonne Allée, là. Et Bonne Allée va nous faire un petit coup Kayom aussi avec nous, là. Lily. Okay. Lily va nous faire Kayom avec nous. Lily qui fait partie aussi d'un groupe qui appelle Sanou, hein, voilà, donc il est là avec nous et donc il viendra faire un petit coup Kayom. Moi, m'apprends la guitare basse et où prend la guitare parce que les musiciens aussi. Ok, ben, nous fait comme ça. Les parties voilà. Ben, les bons. Ben, allez, les parties alors. Là-haut, la Commune-en-Go, dessine la terre, mon grand-papa. Là, une petite source de l'eau y coule en petit filet. Là-haut, la Commune-en-Go, dessine la terre, mon grand-papa. Là, une petite source de l'eau y coule en petit filet. Donne karaoké sauce, prends gâton, pieds, pisse, donne galet. Doucement, nous va monter, ta laine va boire un gosé. La Commune-en-Go, voyons un petit filet de l'eau. Père blanc de l'eau, ma porte à l'issue, mon coco. La Commune-en-Go, voyons un petit filet de l'eau. Père blanc de l'eau, ma porte à l'issue, mon coco. Petit
filet de l'eau, y'a même de l'eau dans le grand vivier. Vivier n'a gourami, oui n'a pêché, oui n'a filé. Petit filet de l'eau, qu'on a la détourne son sommet. En battant au lit laser pour faire ton moulin. La commune en gros royaume, un petit filet de l'eau. Père blanc de l'eau, ma porte à lit, Simon Cocoro. La commune en gros royaume, un petit filet de l'eau. Père blanc de l'eau, ma porte à lit, Simon Cocoro. Filet de l'eau, la finit par perdre son main. Où la haut doucement donne terre jusqu'à comme un évier. Petit filet de l'eau, la finit par perdre son main. Où la haut doucement donne terre jusqu'à comme un évier. La commune en gros royaume, un petit filet de l'eau. Mer blanc de l'eau, ma porte à l'île de Simon Coco. La commune en gros royaume, un petit filet de l'eau. Père blanc de l'eau, ma porte à lit, Simon Coco. Et bien nous revoilà encore sur cette, dans cette émission, l'artiste de la semaine avec Gilles, Gilles oui, Klein. Voilà. Hein? Alors pas fait compliqué, au nom d'artiste, c'est où ton nom, Gilles Klein. Ah, m'a mettre mon nom, enfin, hein. Ça pas un pseudo, rien du tout. Pas comme ça, là où un nom, donc ben, il faut vous porter tout nom partout, il faut vous revendiquer, il faut les fier aussi. Ouais, en tout cas, on a une petite marque de fabrique, on a remarqué, mais même des sous de bande d'albums, ça on a toujours la casquette. Non, ben moi, voilà, moi, je mets une casquette, voilà, festive, je me dis, ben non, mais je mets comme ça, mais voilà, ouais. Parce qu'en fait, chaque artiste, il faut qu'il y ait sa marque de fabrique, voilà, et il y en a aussi voilà, celle qui ressemble à lui, hein. Voilà. On a des grands artistes, la bête des lunettes, pardon, des lunettes blanches, oui, hein, oui, blanc, blanc, voilà, blanc. Voilà, voilà. Ouais, ben, mieux ça y reste, hein, pour en faire voilà, une doulée, comme doulée, Ouais, écoute, même bon morceau. Oui, moi mais aussi m'est tombé aussi dans l'écriture créole, mais c'est d'un côté voilà, moi j'aime ça depuis ben tant jeune, hein. Ouais, ouais. Et ma guitare, ben j'essaye écrire ben, la langue créole et puis ben ça la rale, en fait les sonorités, ben en fait voilà, c'est une affaire que j'ai toujours là, il va la mettre en place au fur et à mesure pour sortir des petites mélodies, voilà, même plus la mélodie, la guitare. Ou la chante voilà, que de bonnes morceaux, là, jamais chanté sur des écritures des autres personnes pour l'instant. Non, vous l'avez fait un peu d'interprétation aussi des chansons au départ, hein. Oui, ben, après, il arrive à nous. Comme tout chanteur, voilà, hein. Comme tout le monde, on voit un petit morceau qui n'est pas où. Et puis, mais voilà, mais après, moi, j'en ai la mienne aussi, ben, mon répertoire, une vingtaine de morceaux que peut-être me va mettre en. Ou le premier album. Premier album, ça, elle a pris le temps, mais voilà. Premier clip aussi, avec le clip de Comunango. Voilà, premier clip aussi. Premier clip, et là, mis en visage aussi. D'autres clips après. Nous allons faire tout de suite un autre petit morceau, là, parce que là, nous, on aura aussi d'autres personnes qui vont rejoindre nous sur scène. Lily, qui sera toujours avec nous à la Cayenne, mais puis après, au Triangle aussi, nous aura une autre artiste qui fait le chœur avec Lily. Et ce morceau-là, il appelle Sentier pavé. Sentier fait, pavé. Voilà, hein. En fait, comme même il fait le lien, la montagne. La montagne ici. Quartier français, Comunango. En fait, par là-bas, il est quand même président de l'association. Ben, il occupe aussi le côté culturel. On a le chemin des Anglais. Oui, oui, oui. L'histoire aussi. Mais ça, il fait un lien avec tout ça. Voilà. Ouais, d'accord. Sentier pavé, c'est le chemin des Anglais. Ouais, raconte un peu ben, comment. L'un des plus vieux chemins de la Réunion. Voilà, c'est un ancien chemin. Et puis, voilà, il faut nous garder ça et nous mettre ça en valeur aussi. D'accord. Et vous pouvez mettre en valeur, l'écrit, un morceau dessus. Voilà, Sentier pavé. Que Tapoc l'a repris aussi. Ouais. Moi, c'est une façon plus traditionnelle. Ouais. Voilà. Hein, d'accord. Ben, nous fait ça. Voilà. Ok, allez, les bons, les partis. Alors, on nous revient après, hein. Dans un petit sentier pavé, oui, il avait qu'être content pour casser.
La Odessi, la montagne, mon Kazantos, si donne caro maï. Donne ti santé pavé, oui, la veille que contre on peut casser. La Odessi, la montagne, mon Kazantos, si donne caro maï. Au plan, tali, danali, courage, invitation, bon papa. Nena de l'eau, nena animaux, nena pavo de bois, pila ho. Tali danali kouras, invitation grand papa. Nena de l'eau, nena animo, nena pago de bois filao. Oh, qui ça l'a dit ça? Bon Dieu, maman, qui ça l'a dit ça? Qui ça l'a dit ça? Tu vis longtemps, tu vis gadamwe. Qui ça l'a dit ça? Bon Dieu, maman, qui ça l'a dit ça? Ça l'a dit, ça tu vis longtemps, tu vis gadamwe. Moins ça m'y connaît, bon Dieu, au moins ça m'y connaît. Moins ça m'y connaît, le cœur à maman l'a pas galé. Où la donne la vie, bon Dieu, oh, où la donne la vie. Où la donne douleur aussi. Qui ça l'a dit ça, bon Dieu, maman? Qui ça l'a dit ça? Qui ça l'a dit ça? Tu vis longtemps, tu vis gadamwe. Qui ça l'a dit ça, bon Dieu, maman? Qui ça l'a dit ça? Qui ça l'a dit ça? Tu vis longtemps, tu vis gadamwe. Sentier pavé. Sentier pavé. Sentier le morceau. Ouais, voilà. Alors, généralement, on écrit sur. On a l'impression hein, que le premier morceau qu'on a fait tout à l'heure avec nous, c'était Communango, donc un quartier. Là, oui. Sentier pavé, un lieu. Oui. Hein, oui. Toute bonne chanson, il tourne autour des histoires géographiques de la Réunion. Voilà. Et aussi, ben, en fait, géographique, mais aussi là où ça demande la vivre aussi. Oui. Et moi, chaque fois que j'arrive dans un quartier, même si ce n'est pas une histoire qui concerne moi, ben, mais ça y est, intéressant à l'histoire. Et voilà, mais après, il trouve des liens aussi, des connexions. Et puis, ben, des fois, on peut trouver un famille, ou voilà, nous essayons, voilà, Réunion, voilà, nous c'est ça, nous c'est un famille, ben voilà. Ouais, d'accord, alors. Hein. Et d'autres chansons, dis-moi un autre titre, un troisième titre comme ça, qui parle de lieux géographiques de la Réunion, qu'on a écrit. Ben, c'est 20 morceaux-là. Non, quand d'autres comme ça. Il fait un peu le va-t-il-vient, mais là, la chanson, avant ça, quand on était Marmite, t'entends, Rivière Saint-Jean, Quai Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, c'est une chanson, ça remonte. Donc, voilà, remettre un petit peu. Voilà, au goût du jour ce morceau-là, sauf qu'il n'est pas sur l'album, mais voilà, aime bien aussi voilà, des chansons que m'y entend depuis Marmaille, et puis remettre un petit peu ça au goût du jour. Mais voilà, m'a fait d'autres chansons, en fait, un peu dans l'inspiration Maloya aussi, voilà, m'y chante un peu sur le thème de l'esclavage, la liberté, et puis aussi... On peut dire qu'on est un artiste un peu engagé aussi, de ce côté-là. De ce côté-là, oui, moi, m'y pense que d'une certaine façon, m'y est engagé, voilà, m'y défend un certain nombre d'idées, de valeurs, m'y aussi, m'y essaye de rattacher aussi à des valeurs du temps longtemps, parce que nous avons quand même des choses qui étaient là, nous avons peut-être perdu ça. Et aujourd'hui, il me revient à cette vie de simplicité-là. Et voilà, nous n'est pas compliqué. Nous, mais seulement, nous avons des choses que ben, nous avons peut-être perdues. Et voilà, il veut refaire le maillage, en fait. D'accord, alors, OK. Voilà. En tout cas, merci bien. Nous pourrions causer comme ça, nous, depuis un bon bout de temps. Mais malheureusement, le temps nous est compté. Hein, comme dit un artiste que nous salue, là, la femme reçoit, elle dit, allons perdre le temps. Parce qu'à chaque fois, Lydie, que de monde dit perdre le temps, Lydie ne perd pas le temps. Chaque fois qu'on cause, c'est du temps qui est passé, qui ne viendra plus. Donc, pour lui, c'est du perdre du temps. Non, là, perdre le temps. Nous, là, prenons du temps pour parler, pour parler de choses intéressantes comme la culture, l'esclavage, et puis après, l'engagement qu'on a vis-à-vis du patrimoine de la Réunion. C'est ça? Merci à vous aussi pour le travail que vous avez fait. Vraiment, on a une écoute et puis on a une volonté aussi d'être bonne.
bonnes artistes, ben, a du mal hein, quand même ici. Ben, donc voilà, c'est un moyen aussi de faire la promotion, faire connaître. Et voilà. D'accord, merci beaucoup, alors, okay. Ok, merci bien. Et on a un endroit où il peut voir Bonne Clip, à part que ce canal Austral, bien entendu, où les gens qui veulent venir voir. Mais est-ce qu'on a un endroit où on a un YouTube, ou un Facebook Non, ou sur YouTube, il peut. Sur YouTube, il peut retrouver il peut directement. Il tape Communango avec un K. Voilà. Voilà. Ou bien sinon, il tape Gilles Klein. Voilà, artiste Gilles Klein. D'accord, alors. Ok. Facebook aussi, par exemple. Non? Oui, mais là, un site aussi, mais ça, il fait comme tout le monde. D'accord, voilà, alors. Mais bon, après, voilà. Ok. Mais bon, alors, et okay. un petit remerciement, peut-être, hein, avec les gens que vous travaillez avec, ou bien les gens que tu joues avec. Oui, hein? Ben, les gens m'y remercient, à Zot, puis ben, les Dallons qui ont participé aussi. Et ben, tout ça qui a participé aussi à ce projet de CD-là. Ouais. Et toute bonne de monde qui m'y apprécie, une bonne camarade qui m'a toujours compte dessus. Puis voilà, ben, c'est comme ça, m'y voit. On ne peut pas, en fait, avancer tout seul, il y a toujours hein, l'équipe des Yahoo. Mm-hmm. Et c'est vraiment. Et la musique, il reste vraiment une passion pour vous? Ah oui, ben, la musique, en fait, on dort, on lève avec ça, on a le rythme, voilà, tout le temps, il est là, et c'est comme un réveil, ou c'est une caisse résonance. En fait, la musique, il est en haut, lui, après, ben, vous jouez sur une guitare, vous jouez en haut, mais voilà, ben, moi, mais c'est ça, il fait vivre, moi. Hein, d'accord, en fait, alors. Et puis, voilà. Okay. Puis, même bien, malgré tout, ben, la pluie, le soleil, ben, on a toujours le sourire et la volonté d'avancer, de faire des choses. D'accord, merci beaucoup. Okay. Gilles Klein, voilà. Hein, l'album il appelle Communango avec un K. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est Gilles, les adeptes du KWZ. Ah, oui, à fond dedans. à fond dedans l'histoire, notre patrimoine, notre culture, et notre ADN même, hein, notre ADN géographique aussi, parce que nous les gravés un petit peu dans tous les pas que nous l'a fait sur ces sentiers battus et rebattus, comme le chemin des Anglais par exemple. Voilà. Et ben, merci bien alors. Ok, ben merci. Allez, nous retrouvons. Nous retrouvons prochaine fois aussi, nous, dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine. Et puis après, nous remercions tout le monde qui était là aujourd'hui. Nous remercions aussi Richard qui était à la technique aujourd'hui, à la régie. Et nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine. Allez, bonne semaine sur Canal Austral.